une petite vidéo parce que j'ai reçu aujourd'hui un colis surprise d'une de mes abonnées, Nathalie Brunet, donc je te remercie. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme colis. Je vais essayer de ne pas trop tousser parce que j'ai une grosse crève. Alors j'ai un petit mot à mon nom que j'ai déscotché là de ta boîte, je vais l'ouvrir. Elle est hier pour moi, bien sûr. C'est pas un swap, hein. C'est vraiment un cadeau surprise. Tu n'étais vraiment pas obligé d'ailleurs. Je te remercie. Je sniffe, excusez-moi, ça c'était prévu. Merci beaucoup. Oh oui, je vais continuer mes vidéos, mais avec des soucis personnels, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Ouais. Et voilà, bon, je vais ouvrir. Là, ça se présente. Comme ça. C'est bien présenté. Je ne sais pas du tout ce que tu m'as envoyé. Alors, du papier bulle. Ah ouais, ça représente comme un swap. Hein. Moi, je vais essayer d'être pas trop longue. Alors, j'ai 100% spa Karma Mju. Là, je vous montre. Je sais pas si je lis bien. C'est quoi? C'est une éponge naturelle, 100% fibre, exfoliant, purifie, nettoie. C'est une petite éponge. Ça va bien me servir pour nettoyer le visage. Voilà. Et j'ai plein de petits paquets noirs avec des petits mots dessus. Je trouve que c'est très sympathique. Alors, rupture de papier. Ah, je crois par le dernier, à mon avis. Voilà, rupture de papier. Alors, attends, je regarde un peu parce que tu l'as caché. Hein. Je vous dis, hein, c'est une horreur. J'ai attrapé un petit crève. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'étais sûre. Hygiène Paris, le lait corps à la verveine du Gems. Je ne sais pas si je le dis bien. Bon, c'est un petit lait pour le corps. Je ne connais pas. Bon, là, j'ai aucun odorat, donc je l'ouvrirai. Saveur, bonheur, calme, concentration. Voilà. Ouvrir un autre. Alors, je vais ouvrir celui-là. Pour les nettoyer, tes pinceaux du premier swap. Ah ben tiens, c'est pas bête ça, parce que pour nettoyer, j'ai pas grand-chose, effectivement. Voilà, pour nettoyer mes pinceaux. Alors, a priori, je vais essayer de l'ouvrir. C'est une lotion. Voilà, Delphes. Ouais, c'est un shampoing pour les pinceaux. Je te remercie parce que je n'en avais pas, tu vois. Ça me donnera l'occasion de les nettoyer parce que je ne les ai pas nettoyés encore. Un petit shampoing pour les pinceaux. Pour soigner tes mains. Voilà. Voilà. Ça va être une crème pour les mains, je présume. Excusez-moi de sniffer, je vous jure, ça fait plus d'une semaine que je l'ai. Alors, moi je connais pas. C'est de sens, c'est une protection 24 heures pour les mains au kiwi et au chocolat, on dirait. Je vous montre comme ça. Voilà. Kiwi et au chocolat noir. Winter Edition. Alors, je vais essayer de sniffer quand même. Ça sent bien bon. Ça sent le frais. J'essaierai de ressentir quand j'aurai moins le rhume. Mais... je connais pas. J'adore tous les produits que je connais pas. C'est une petite crème pour les mains. Voilà. Alors, ça se présente comme un swap. Je prends le gros paquet là. Ça pourra te servir pour tes vidéos lors des swatchs. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est, voilà, j'ai ces trois petits paquets comme ça, là. Je vous montre. Et c'est de Purex, ce visage. Ah, c'est pour me nettoyer, oui. Pour nettoyer les mains quand je fais... Alors, il y a pour nettoyer le visage. Il y a pour les pores. Par contre, pardon. Contre les impuretés. Un exfoliant. Et enlève les peaux mortes. Et un 3 en 1. Enlève le maquillage pour les peaux. Excusez-moi.
de Purex, voilà. J'en ai trois, j'en ai un bleu, un rose et un lilas. Je vais serrer, je ne vais pas. Hop. Ça, il ne sert pas. Moi, j'adore. MDR, je dirais. Excusez-moi. Je vais faire la vidéo, mais pas bien guéri encore. Alors. Ah, tiens. J'ai vu, mais j'ai jamais essayé. Possibility Strawberry Soufflé. Voilà. C'est un gel douche à la framboise. À la fraise. Soufflé. Ça a l'air, c'est un peu, vous voyez, un peu laqué, hein, un peu nuageux. J'essaierai. Je connais pas. Je te remercie. Ouais, ça a essayé. Ouais. Je me sentirai quand je pourrais. Hop, un papier. Attention aux microbes. Ah ouais, mais c'est cadeau de dire. Voilà. Cadeau de dire, je suis un microbe sur pâte. Elle s'était un peu calmée. Pas bête. Chouette cette vidéo. Attends, ouais. Ça pouvait me soigner des crocs. C'est une Body Shop. C'est un nettoyant pour les mains au pamplemousse rose. Excusez-moi, j'essaye de ne pas tousser. Voilà. Attends, c'est un désinfectant pour les mains. Soin des lèvres. Voilà, ça va être un petit baume. Ça y est, c'est parti. Essayez de ne pas trop parler. Je l'avais vu celui-là. C'est un petit baume pour les lèvres à la framboise. Pour tes yeux, j'espère que celui-là te fera un regard de ouf. Excusez-moi. Ibiza, Ibiza, volume mascara. Voilà, je connais pas. Je vais le regarder. Te dire ce que j'en pense. Je vais pas l'ouvrir, je vais juste le regarder. Voilà, Ibiza, Ibiza. Je connais pas du tout non plus. À essayer. Ça a l'air d'être de couleur noire. Je vais encore avoir des trucs. Pas un Kleenex, bon. Alors, petit, mais une grande marque enfin connue. Voilà. Je suis pas maquillée, hein. Je tousse. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, parce qu'il y en a qui disent que je fais des vidéos trop longues. Oh, c'est gentil, tiens. Love Spell. C'est de Victoria's Secret. Cherry Blossom and Peach. Fleur de cerisier et pêche. J'adore cette odeur en plus. Je ne sais plus si j'avais eu celui-là ou un autre. Voilà. Merci beaucoup. J'adore ces petits... cette marque. Mais c'est difficile à trouver. Je ne sais pas où tu l'as eu. Une marque américaine. Je crois que je l'avais eu. Je sniffe pas. Non, je crois que ça va me faire encore être. J'ai craqué dessus et pardon, sors-moi cette odeur. Oh. J'irai la chocolat de bar. De toute façon. Parce que vous voyez,
essayer de brouiller. Plutôt qui coule là. Voilà, a priori, c'est les couleurs. Puis désolé pour ma crème. Je pleure pas de tristesse, hein. Je pleure de rire. Voilà, ça se présente comme une chocolat bar, comme ça. Et. Ah oui, effectivement, ça sent le chocolat. Où t'as trouvé ça? Alors vous voyez, ça se présente comme ça. Là, il y a les couleurs et là, il y a les couleurs. Essayez d'admirer un doublon de la chocolate bar. Mais ça sent effectivement pas pareil, pas comme la chocolate bar, mais ça a une odeur un peu de cacao. Moi, j'ai pas trop stiffé parce que voilà, je crois que je vais éternuer encore plus. C'est de I love it, I love makeup. Voilà. Je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Je trouvaille. C'est quoi ça? C'est aux États-Unis. C'est eyeshadow inspiré par notre obsession avec le chocolat. Bien trouvé. Voilà. Alors, un petit dernier. Il va falloir que je prenne des cours pour envelopper les cadeaux. Surprise, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. De toute façon, j'enveloppe très mal les paquets aussi. Une horreur, hein. Oh! C'est des crayons pour les yeux. Voilà. Vous voyez, il y en a un blanc. On dirait un gris, un marron et un bleu, un vert, on dirait un vert, un bleu marine, un violet et un noir. J'en ai toutes les couleurs. Voilà. Dans une petite boîte. C'est de la marque Queens. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je te ferai un paquet. Je ne sais pas encore ce que je vais t'envoyer, mais ça m'a fait. Espagne, ça me fait très plaisir. Je suis désolée encore d'avoir poussé pendant cette vidéo, mais gros rhume, pour ça que j'étais pas beaucoup là ces derniers temps. Et je te fais un gros bisou et puis je ferai d'autres vidéos. Là, j'étais tellement malade. Et je te remercie encore, bisous.